Merci à vous-même, téléspectateurs, qui toujours continuez à suivre troisième sortie émission Créola. Nous avons des sujets déjà, c'est vous-même en tant que jeune, comment vous comptez influencer la génération Paul. Nous avons des différentes créoles déjà, mais là, nous poursuivons, mais fois ça, avec mademoiselle Marie-Merline Brice, qui va nous dire comment elle concevoir l'influence là. Bonsoir, Bachka. Bonsoir. Bonsoir, Brice. Mesdames. Bonsoir. Et bonsoir à nous-mêmes, téléspectateurs Radio Télé Pacifique. Si nous sommes capables de constater la jeunesse haïtienne de nos jours, nous sommes capables de voir que les jeunes eux-mêmes sont plus centrés sur des choses, des activités qui ne peuvent pas mener nulle part. Si nous-mêmes, nous restons à suivre avec toutes les choses, sans que nous-mêmes ne nous cherchions des moyens pour nous poser pied par nous, pour nous dire non, pour nous capables de suspendre avec tout bagay sa yo, donc nous capables dit que pays en lui-même li pa gagnon pa la fait. Jean que moi même moi vle pote a popam pour génération pam nan dans développement pays moi, c'est comment moi t'ai commencé déjà, c'est nan poser des actions positives qui pour aider jeunes yo même à connaître à valoriser tête yo en soi et yo même pour yo capable essayer connait que ça yo vaut, connait que yo même yo utile, connait que yo gain compétence et que yo même yo gain devoir yo pour yo utile avec pour yo utile tête yo d'abord et pour yo utile pays yo. C'est ça que fait moi commencer par tête pam, moi aller l'école d'abord et moi apprendre recevoir des formations qui a utile moi pour moi capable intégrer et aider pays à développer. C'est ça que fait tout moi engagé pour moi travailler ensemble avec jeunes et moi toujours disposé et disponible pour moi capable aider tout jeune qui gagne en vision qui positive qui envie mettez tête yo même en valeur pour yo capable apprendre chercher mettez capacité que yo même yo gagne dehors. C'est pas chita pour y a dit que yo même yo pas capable, mais c'est intégrer, essayer garder qui sont ka fait, intégrer dans tout ça qui gagne avec le social. C'est ça que fait moi même moi intégrer et puis moi entrer dans concours créola pour moi capable utiliser voix moi pour me parler avec jeunes yo pour moi aider yo à valoriser tête yo, comprendre que qui est yo yo même et pour être capable d'apprendre et connaître qui ça yoyé, qui est yoyé, continuer à apprendre, bay tête yo valeur et pour être capable continuer utile avec société que yo même y a grandi. Merci mademoiselle Marie Merline Brice, n'a poursuivre fois ça avec mademoiselle Michaël Archil. Bonsoir Dashka. Bonsoir Michaël. Bonsoir Kéolayo. Bonsoir. Et bonsoir téléspectateurs Radio Télé Pacifique. Nous sommes capables de constater que depuis l'année 1950, nouvelle technologie, ça, c'est le moyen que yo utilisé pour transmettre message. Et message, ça, nous sommes capables de voir à travers nouvelle technologie, information et communication, fait plus rapide. Cependant, jeunes nous, journée aujourd'hui, utiliser moyen ça. Nan yon l'autre façon. Majorité là-dedans yo, à vrai dire. Yo plus couri nan al gade site pornographique et ceci information qui pas vraiment essentielle, qui pas vraiment porter des bagages positifs sou yo. Moi-même en tant que communicatrice m'a utilisé mes moyens ça pour me capable influencer jeune nous parce que comme dit l'adage on combat l'ennemi par son point faible. C'est un bagage que nous pas ca éradiquer parce que li est indispensable dans vie nous dans vie toute jeune yo réseaux sociaux yo internet audiovisuel et télécommunication
ça veut dire chaque jour nous vinn que c'est plus important. Mais dans ce sens ça, nous capable nous m'a utiliser même moyen ça yo pour faire de manière positive à ce que jeune orienté yo vers des informations qui plus nécessaires pour aider yo à changer, à participer dans le développement pays. Moi-même, moi commencé poser pied en moi à travers des organisations qui travaillent sous plan social. Nous commencé dans quartier populaire, tant coup jalousie, nerette. Nous commencé par sensibiliser et faire des conférences pour nous capable orienter jeunes à penser de manière objective et positive. Moi-même, influence PAMNAN, c'est qui s'allier. C'est implanter des programmes formels, tant que sur les réseaux sociaux et dans les médias et tout, à savoir des émissions socioculturelles et éducatives à caractère instructif. Non sans ça, jeunes yo même yo capable orienter, yo capable gon l'autre vision, yo capable apprendre. Des bagailles positives, ce n'est pas seulement aller sur les réseaux sociaux à chercher des bagailles qui négatifs. Merci, Michael Achille. Nous poursuivons face avec Stéphanie Adrien, qui certainement a un mot pour dire nous. Bonsoir, Dashka. Bonsoir, Créola. Bonsoir à tous les téléspectateurs Radio Télé-Pacifique. Je dis que c'est une opportunité pour moi-même pour me prendre part à des bases là qui sont basées sur une façon capable d'influencer les générations. Influencer les générations est très délicat. Dans le sens que ce n'est pas un monde qui va influencer, ce n'est pas un groupe de monde qui va influencer, mais c'est toute une génération. Ça vient de faire que ce n'est pas un bagage qui est prendre à la légère. Je pense que vous êtes capable de commencer par influencer les générations. Si vous baillez tout des objectifs à long terme, si vous croyez dans une vision qui est capable de gagner des répercussions qui positives dans l'espace côté que vous avez évolué. En ce sens que, je ne crois pas que les gens peuvent suivre un leader, penser pas dépasser Poutinel. Faut baillez tout des objectifs. Vous pensez qu'un pile de monde est capable de retrouver la donne et comme ça, vous pouvez commencer à influencer les générations. Il y a un autre moyen pour influencer l'espace côté où évoluer la donne, c'est faire ça que vous avez fait et que vous pouvez bien faire. En ce sens que, si vous avez un talent pour la politique, vous pouvez capable d'intégrer et vous pouvez former tout pour les gens qui viennent prendre comme une sorte de modèle, une sorte d'exemple. Si tout c'est social là qui intéresse ou juste intégrer ou faire même gens, c'est pas parce que comme si ouais un monde a bien évolué dans politique pour penser qu'on capable de faire même gens ensemble avec elle, juste comme si trouver point fort et puis influencer monde et ceci ça a venu tout naturellement sans forcer. Là c'était un aspect qui général pour y a m'a rentré dans un aspect qui plus particulier. Ça veut dire que m'a touché propre tête pas façon m'influencer côté me passé. Moins plus influencé par façon que ma pensée, par ça que ma véhiculé. Ça très très important pour moi. En ce sens que je toujours rejoins des groupes de monde qui pensaient même gens ensemble avec moi. Et puis dans l'espace côté que je passe tout, je toujours encourager les jeunes à penser positivement. Parce que je pense que c'est la pensée qui mène le monde. Donc si comme si un monde ou pessimiste ou comme si n'importe ça qui passait dans la vie, comme si ou pas capable de prendre de façon positive, je pense que ça a bien des répercussions qui sont très néfastes. Donc, comme conseil pour influencer sa génération, je conseille tout le monde comme si considérer le verre à moitié plein, mais non à moitié vide. Ça veut dire que chaque situation qui arrive devant, comme si toujours chercher côté qui positif là la donne, pas seulement chita sur côté négatif là. Parce que positivité à lui-même, c'est très important pour aider n'importe côté qu'on passe, pour côté ça lui-même, est capable de transformer et porter des résultats qui sont positifs. Merci en pile. Merci Stéphanie Adrien et la toute dernière, mademoiselle Félix Whitney. Bonsoir Dashka, bonsoir Créola. Bonsoir. Journée jeudi, on a regardé, nous gagnons en société, côté que nous-mêmes jeunes, nous représentons piliers société ça.
l'aime dit pilier, sans nous-mêmes jeunes, société ça pas avancer. Parce que nous c'est avenir pays. Pour moi-même, n'a dit influencer jeunesse là, il pas une tâche qui aussi facile. L'aime dit pas une tâche qui aussi facile. Nous pas adresser nous à un grand monde dans société. Nous voulons adresser nous avec toute génération qui est ensemble avec nous. Pour influencer la société, nous avons travaillé sur plusieurs aspects. Donc, pour faire nous un rêve, faire nous une vision, pour que même si nous ne réaliser pas rêve ça aujourd'hui, mais quand même, nous réaliser demain. Merci beaucoup, mademoiselle. Je pense que les téléspectateurs vous ont suivi avec un intérêt tout à fait particulier. J'espère aussi que ceux qui vous ont regardé ont été édifiés et que les conseils ont été bien reçus. Alors, nous mettons fin à la toute deuxième partie. Nous revenons dans quelques minutes justement pour terminer avec cette troisième émission.